Allô? Ah, ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air d'aller mieux. Vous, est-ce que c'est mieux de votre côté? Ah. Bon. Bon, on avait dit qu'on faisait du porte-avions, là on va faire du porte-avions! Bim! Bam! Moi je suis quelqu'un qui respecte sa parole. Ah. Ah, quelques petits réglages et ça marche tout de suite mieux, hein? Oh, Kong. Ouf! Berk! Tier 8, le Bismarck, j'ai vite. Le reste, tu peux les fumer. Cleveland, j'ai vite. Atago, j'ai vite. Et le reste, c'est bon. Et c'est un Iryu. J'espère qu'il est pas en configuration, fils de pute. On va voir ça. On va voir ça. On va voir comment ça se passe. On espère lui rouler sur la gueule. Ce serait vraiment très agréable. On va se foutre par là. Et donc, on va commencer par balancer nos chasseurs. Et après, on balancera le reste. Je balance les chasseurs en priorité parce que je suis contre un Iryu. Le Iryu a déjà deux groupes de chasseurs, je n'en ai qu'un. Donc, c'est très important pour moi de prendre la supériorité aérienne directement. Si je peux lui shooter quelques avions, c'est ça qui est bon. Et après, je balancerai mes avions d'attaque. Mais priorité, voilà. Je balance mes chasseurs, je balance mes bombardiers après. Et là, sa priorité, c'est lui abattre un max de chasseurs. Et s'il me reste des munitions, lui niquer de l'avion. Du bombardier. Sachant que là, moi, la stratégie que j'utilise avec le Ranger, c'est que je fais vraiment un strike avec les torpilleurs. Je fais un strike avec les bombardiers en piqué si j'ai pas fait de flood. Et en fait, je force le mec à utiliser sa réparation. Et là, j'envoie mon deuxième groupe de bombardiers pour lui mettre un feu qui va rester, qui donc je ferai plus de dégâts. C'est une technique hein, vraiment, on va dire basique. Bon, par contre, je vois pas les avions. Alors, j'espère, je dis bien j'espère, c'est pas un mec qui va faire le tour de la map et essayer de venir me niquer. Ce serait vraiment chiant. Alors, on est under attack. Okay. Donc là, moi j'ai remarqué, j'ai peut-être le New Mexico là qui est tout seul. Donc on va aller essayer d'aller voir un petit peu plus. Alors, si le New Mexico est tout seul, je vais aller le focus. Je vais aller le défoncer. Je m'occupe de lui. C'est pour ça que j'essaye de voir. Voilà, s'il a des croiseurs avec lui qui sont un peu plus compliqués à détecter. Voilà, il y a le Cleveland. Par contre, j'ai toujours pas spoté. J'ai toujours pas spoté d'avion donc. Je commence à croire que c'est ce que je crains et qu'il est en train de faire un border de map. Là, normalement, je devrais spotter ces avions s'ils passent par là. Donc, je vais envoyer mes chasseurs par là-haut. On sait jamais. Surtout que moi, j'ai spawn de ce côté. Donc, il y a un grand moyen que lui ait spawn de ce côté-là et qu'ils soient en train de faire le tour par là pour essayer de venir me niquer. Ce qui m'embêterait énormément, bien évidemment. Ah bah, le voilà, tiens. Tiens, regardez qui est là. Il a tout stacké au même endroit. Il a tout stacké au même endroit. C'est magnifique. Je vais faire un bon gros strafe des familles là-dedans. Voilà. Voilà. Bam! Voilà. Déjà, je lui dis ta gueule, Iryu.
Le Strafe a 16 avions abattus, c'est... Là, je me touche les tétons, là. Là, je me... Genre, là, c'était bon, ça. Genre, le King George, là, il est parfait. Franchement, le King George... Donc là, ce que je vais faire, c'est... Je vais laisser un bombardier là. Je vais balancer un bombardier là. J'ai mes torpilleurs, ils vont aller à fond sur sa gueule. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Enfin, je me dépêche parce que là je suis vraiment dans les entières de tout le monde. Voilà. Non! J'ai été chopé par son petit avion sur catapulte, mais c'est pas grave parce que je vais réussir à mettre des torpilles. Non. Un peu trop loin. Ah ouais, totalement nul. Par contre, j'ai touché la magie derrière et ça c'est bon. Alors par contre, attendez, parce que... Moi je vais balancer mes chasseurs là. Parce que là ils sont en train de... Lequel qui est en train de couler? Ok, donc c'est lui. Donc je vais balancer mes torpilles, mes bombardiers en piqué sur le King George qui est à l'arrêt. Voilà, là c'est parfait. Voilà, un incendie. Moi je vais aller par là. Par là. Là, mon objectif, c'est d'essayer de choper le porte-avions ennemi, de le voir. Oh, tiens. Parfait. Ah, mais il a les deux groupes de chasseurs, c'est idiot en plus. Bon là par contre c'est un peu la merde. Je vais pas vous le cacher. C'est un peu la merde. Et... Bon, j'ai réussi à sauver un chasseur, ce qui va me permettre de... Le groupe 2, j'ai peut-être été un peu trop greedy. J'aurais peut-être pas dû partir, j'aurais dû l'attendre. J'aurais dû l'attendre. Parce que là, c'était pas un bon move de ma part. J'étais trop greedy sur les chasseurs là. Beaucoup trop. J'aurais jamais dû y aller en fait. Par contre, on a fait 52 000 de dégâts en une attaque, ce qui est plutôt pas mal. Le New Mexico, à mon avis, est-ce que je vais tenter de l'attaquer parce que... Ouais. Hop, on va essayer d'aller choper le New Mexico. Ça peut être pas mal. Les chasseurs qui vont pas tarder à rentrer, donc ça va pour moi. Donc il envoie ses torpilleurs là-bas, donc je sais qu'il est en train d'attaquer par là, ce qui est une bonne chose, parce que, enfin une bonne chose, il joue bien le porte-avions ennemi parce que le tirpit est tout seul. Par contre, c'est quoi ce drop de torpilles, mon dieu? On me dit pas qu'il c'est un manuel drop encore quand même. Bah si. Donc le mec là par exemple, là vous voyez, il a pas vraiment de stratégie parce qu'il balance tout ce qu'il a et il se casse. Alors que si vous gérez bien le truc, le mec, vous pouvez lui faire des dégâts sur la longueur, comme j'ai fait là, par exemple avec la Maggie. Là, le New Mexico. Voilà, hop.
Le 5 qui va arriver. Bon, en fait, le New Mexico qui est en train de prendre les dégâts, mais de subir. Alors, le New Mexico, il est mort. Voilà. Bon, ça. Très bon, ça. Et de deux. Tout, tout. Très bon, ça. Très, très bon. Bon bah la team a bien joué là, c'est cool. Ok, donc le porte-avions ennemi est là. Donc là, il a l'air de vouloir regrouper un peu ses bombardiers, donc moi je vais le laisser faire. Allô? 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 What the fuck? Taking fire. Group 5 airborne. Regardez, regardez, regardez. Et hop. Destroyed. Là dans la tête du porte-avions ennemi, c'était Nani. Ah merde, j'ai plus de munitions par contre, c'est chiant. J'ai plus de munitions. Ou il va prendre tarif. Ah oui, il a pris tarif, tarif, ouais. Ah, c'est même pas moi qui vais avoir le kill. Mais bon, la bonne game. La bonne game. Salut Arax. On les a déchirés. Là, on s'est fait plaisir, là. Ah, le Bunka, ouais, avec le Hatsuharu là. Le Hiryu, il a vraiment rien fait, quoi, le pauvre. Ouf. Ouais. Bon bail, bon bail. Ouais, j'ai quand même mis 45 000 de dégâts avec les incendies et les inondations. Bon bah une game très très propre. Wesh Creep, ça va ou quoi? Mais ah c'est gavé là. On a fait une bonne game là. J'ai fait combien d'XP? J'ai même pas fait gaffe. Ah ouais, c'est presque 7000. Pas mal, pas mal, pas mal.
XP de base, il y en a eu combien? Ouais, presque 2000. Propre. Bon. Bon, c'était pas mal ça, dis donc. C'était pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'aimerais bien faire mes 200%. Oh, mais il y a Nico! On va aller jouer avec Nico. Est-ce que je peux le move? Je peux pas récupérer Nico. Parce que moi je serais bien allé jouer avec Nico. Bon, le Lexington, il me manque combien? 118 000, je suis à 75 000, ça nous fait encore 40 000 XP, c'est ça? Bah, je vais le voir tout simplement, ouais, 42 000. J'ai pas envie de claquer ma free XP. Hey, gros moche! Salut Nexos. Ça ou quoi? Ouais, toi. Ça va, hein. On est là. On est en live stream. Yeah. Joue avec quoi? Écoute, là je viens de me faire une petite game en tier 7 avec le Ranger. Je viens de lâcher un 121 000 de dégâts. On a fait le café là avec le Ranger. Mais en fait, c'est que j'ai joué tous mes tiers 10 aujourd'hui, tu vois, pour avoir les super conteneurs. Et j'ai fait qu'une seule victoire avec le démoine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 tiers 10, j'ai fait qu'une victoire en 8, par 8 parties. Excellent ça! On apprécie, on adore! C'est quoi les nouveautés là? J'ai pas tout compris là. Les nouveautés. Ouais, t'as pas vu là avec les doublons et crédit là? Mission 333 ou je sais pas quoi. Ah bah c'est juste une mission et quand tu fais ta partie, tu gagnes 333 000 crédits, c'est tout. C'est dans quoi ça? Ça devait être dans défi ou événement ou mission de combat, je sais pas, c'est par là. Mais moi je l'ai fait Ah oui. donc. Je les ai tous faits donc je peux pas les récupérer quoi. Et si tu. En fait, en faisant une partie avec ton tier 10, avec un tier 10, ça te donne un super conteneur. Et tu peux avoir bah, qu'un seul super conteneur par bateau, mais genre voilà, moi j'ai 8 tiers 10, j'ai fait 8 parties, j'ai 8 super conteneurs, donc c'est plutôt worse. Moi j'ai eu que de la merde. Pas mal. J'ai eu que de la merde. Mais au moins j'ai eu masse de drapeaux, je les ai revendus et je suis passé de. Ouais, avec les 8 super conteneurs, je suis passé de 10, 9, 10 millions. Et là je suis à presque 33 millions. Donc ça m'a mis plutôt bien. Ah ouais? Ça m'a mis plutôt bien et puis j'ai récupéré 1000 doublons au passage, ce qui me va très bien parce que il va me falloir des doublons pour mettre les commandants quoi. Les commandants d'équipage, les passer d'un navire à l'autre, donc c'est plutôt bon. Je suis content. Ouais, bah moi je suis toujours à la conquête de mon quatrième point un peu de commandant pour qu'il soit au taquet sur le GK. Sur le GK. Ouais. On en parle quand même que l'Alsace, qui est un tier 9,
Il faut 229 000 XP pour l'avoir. Et on en parle que genre le Moskva ou le Hindenburg, qui sont des tiers 10, il faut 235 000, 238 000. Il faut plus d'XP pour faire le tiers 9 cuirassé français que le tiers 10 destroyer russe par exemple. N'importe Ouais. quoi. Je sais pas si t'as remarqué, mais dès qu'ils rajoutent une nation, enfin une nouvelle branche, genre l'XP qu'il faut pour les avoir, c'est exponentiel, c'est un truc de fou. Genre Moi, je... comparé, recompare, le République 260 000 XP pour l'avoir. 260 000 et je sais pas, par exemple le Montana qui est là depuis un moment, qui est là depuis le début, il faut 247 000, ouais ça va encore. Quoique, je trouve c'est un peu abusé quand même. Mais bon. Ah. Bon. T'es en game là ou... Ouais. T'en as bientôt fini. Non. T'es Je suis chaud. à 17 minutes. Bah quand tu m'as appelé, bah tu vois, je venais de lancer. Ah, rip. Bon bah je vais en lancer une alors. Y'a Paul? Je vais partir en Yamato parce que le Yamato c'est toujours J'ai attrapé froid aujourd'hui. J'ai froid. Même dans l'appart, j'ai froid alors que c'était 24 degrés dans la. Ah ouais? Putain, moi je suis là, je suis. On est torse nu, on a. Ah non, pas bien. D'ailleurs, j'ai eu un mal de tête. Du coup, je me suis allongé 1 heure. Pas mieux. Mais ouais. Ok, cette game full DD, je suis dans la merde. Il a changé de rang le Cleveland. Bah, ça fait un petit moment que le Cleveland est passé tier 8. En fait. Ah ouais, World of Torpedoes là, il y a trop de DD, je suis dans la merde. Le Cleveland, il est OP, OP. Il a jamais, même en tier 6, il était pas totalement OP non plus. Faut pas déconner non plus. Faut pas déconner. Mon chat il part en couille, il parle de Clash Royale et tout, non mais les gars, déconnez pas. Déconnez pas les gars. Oh, un Prince again là-bas. Est-ce que j'ai une fenêtre de tir? Ce serait cool. Il a 23 km, et puis il est en train de se barrer, donc non. Bon, par contre, il y a un Moskva, il y a le Yamato qui vient par là. Il y a le Bismarck aussi. Le Saint-Louis, ouais, en tier 3, il est rigolo, il est un peu. On va dire fumé non plus, mais on va dire qu'il est abordable niveau gameplay. Saint-Louis. Ouais, le Saint-Louis tier 3
américain. Ah oui, non, il est rigolo. C'est carrément un Le bon South... bateau. Par contre, le South Carolina Hitson a une grosse caca, hein, je suis désolé. North Carolina, ouais. Non, South Carolina. Ouais, South Le Carolina, ouais. South Carolina, le North Carolina, il est propre. Ouais, non, North, ouais, le North. Le tier 8, il est propre. Non, moi, je parle du tier 3, le South Carolina, lui, par contre, c'est... C'est un veau, avec... C'est pas lui qui a la cheminée jaune, derrière. C'est de la merde. Ça, il a une cheminée jaune. Cheminée jaune, je sais pas, mais... Ouais, je sais... C'est un veau, il... Pas bon du tout. Non. C'est nul, World of Warship Blitz, les serveurs sont pas synchronisés, les torpilles te traversent. Ah. En même temps, pourquoi vous jouez à World of Warship Blitz, les gars? J'ai envie de vous dire. Bon, par contre, j'ai fait aucun dégât là, ça commence à bien faire. Ça commence à me faire chier cette histoire. Yo, Anosis! Ah bah tiens, Anosis. Not even hurt, bitch. Hello, comrade. Est-ce que la RNG peut arrêter de me chier dessus aujourd'hui? Oh, voilà une petite citadelle. Bon, j'en aurais bien pris plus, hein. J'en aurais bien mis plus des citadelles, mais. War Thunder, mais arrêtez de me parler de War Thunder, j'ai me saoulé ce jeu. Eh, Souka, c'est quoi cette citadelle que je viens de mettre? Je viens de mettre une citadelle, mais genre le mec il était anglais comme jamais. Bon, après, je suis d'accord, je suis en Yamato donc. Ah, par contre, 15 000 de l'Alsace, on va vite se calmer, mon garçon. Voilà, 22 000 dans ta bouche. Est-ce que tu aimes la puissance japonaise, petite Alsace? Do you enjoy les 460 mm? T'as pas la PS4, Nexus? Si, j'ai la PS4. Enfin, moi j'y joue jamais, c'est mon frère qui y joue, mais... Hop, dans ta mère. Les bateaux de War Thunder se rattraperont un peu, mais ils sont nuls les bateaux de War Thunder en fait. Les gars. C'est totalement nul. Toi là-bas, petit Bismarck. Petite game, 107k. T'as fini? Ouais. Attends-moi. En même temps, quand tu tombes avec collègue de merde. Ah, de merde. Ça... ça, depuis quand c'est nouveau?
que fait un DD on de la carte dans de mon côté, tu vois. Je serai chez l'ennemi, je veux bien. Non, je veux pas prendre une inondation, mais putain. Jeu de merde. On va rip Nexus. Bon bah rip. Le live est cassé. Non, ça doit être toi parce que le live il a jamais aussi bien marché. Bon, j'aurais peut-être pas dû push comme ça sans support. En même temps, la Maggie il se branle au fond de la map là. Elle est bien la branlette ici. Oh, elle a l'air bien. Oh, t'as l'air de t'éclater, mon pote. Oh, il a l'air. Oh là là, il a l'air de s'amuser la Maggie. Ouh loulou. God damn it. Bon, on devrait la gagner celle-là normalement. 50 camouflage. Un camou. Bon bah c'est l'avantage, c'est que je peux venir jouer avec mon ami Nico plus rapidement. Bah oui. C'est pour ça en fait, j'ai fait exprès de me suicider, c'est juste pour venir jouer avec toi. Oh. Gentil. Bah oui. Moi, je suis quelqu'un avec un énorme cœur, on le sait tous. Hein quoi? Je t'ai invité. Attends, je suis en train de vendre 60 camouflages. Oh, d'ailleurs, je crois que je vais aller regarder un peu ce que j'ai en camo que j'utilise pas là, que je vais virer. Sapin givré, je les utilise, ils sont pas dégueulasses. Ceux-là, je vais en vendre. Je vais en vendre genre 70 parce que ça fait 4 millions et quelques dans la poche. 4 200 000. Ouais, je vais me faire 3 millions et quelques. Est-ce que je les utilise vraiment, les camouflages révolutionnaires français là? Non. Donc j'en ai 80, je vais en vendre 80, je me fais 4 800 000. Give me the money. Money, money. Ça j'en ai 13, je les utilise jamais, ça dégage. 650 000. Lagon bleu, j'en ai 7. Ça dégage. Ça, on va les garder, ils rapportent pas beaucoup de sous. Voilà. À quand du War Thunder en bateau? Non, mais en fait, Raph, il n'y aura pas de War Thunder en bateau. Ah, il faut vous le dire en quelle langue? Bon, prends ce que tu veux, je te suis. Shima. Moi, je prends le cours force alors. Attendre qu'il revienne manger. Non, tu veux pas attendre qu'il revienne manger? Tu prends ton GK, ça serait bien d'être à 2 GK. Non, c'est bien avec un Shima aussi. Ok, vas-y. En fait, les bateaux War Thunder, j'ai joué, c'est chiant. Genre, c'est. Il n'y a pas de stratégie, c'est point and click et fini. Et les gros destroyers, ils vont bully les plus petits bateaux parce que. Parce que déjà, qu'est-ce qu'ils ont branlé à mettre des destroyers? D'accord, la communauté voulait des gros bateaux, mais nous mettre des destroyers avec les petits bateaux de pêche qu'il y a là, c'est ridicule. C'est ridicule. Et les hélicoptères, bon, moi je trouve que c'est encore une tentative pour essayer de grappiller des joueurs. Pour grappiller des joueurs alors que le jeu est en train de. Enfin, moi je trouve qu'il est en train de mourir, mais c'est mon avis. C'est mon avis. Ouais. Bon, on va pas sur A. Hein. Moi, je te dis tout de suite, on va pas sur A. 9. Quoique, moi, je vais voir KP. Si je vois qu'il y a du monde, je m'arrache. Parce que t'as du DD après en face de B.
Pouh, j'ai faim moi. Il est quelle heure? J'ai pris les tortillas à 20. Donc à 16 pour toi. Yeah. Très bien. Bon, le Seattle, c'est bien que tu te bouges le cul en fait. Parce que la game a commencé, garçon. Ils ont quoi en face? Montana. Oh, ils ont un conquéreur. J'ai vomi dans ma bouche. Ils ont un conquéreur. Ils ont un Gehring. Ça, je m'en fous. Moi, non. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est qu'ils ont un kit. Ce qui devrait te faire encore plus peur, c'est le kit à caser. Vu la fanbase de l'Abraham, c'est sûr que ça rameute des gens rien que pour ça. Même moi qui ai débloqué l'Abraham, je préfère jouer mon M60. Et en plus, c'est qu'ils ont surfé sur la. Ils ont profité de. Du Abrams pour faire le XM1. Et le problème du XM1, c'est que tu balances. Ils te disent, oh, c'est un problème tier 5, mais nique ta mère, parce que déjà, c'est un battle rating 9.0. Le battle rating max, c'est 10.0, donc c'est carrément un top tier. Donc ça veut dire qu'un joueur qui arrive, qui a pas du tout joué au jeu niveau 0, il arrive, il met 60 balles dans le jeu, il peut jouer au plus haut niveau. Sauf qu'il va se faire rouler dessus parce que. Parce que c'est logique. Parce qu'il en a aucune idée de comment jouer à ce. À ce tiers, quoi, mais c'est. Moi je trouve ça c'est. C'est une catastrophe. Par contre, celui qui vient de me tirer dessus là, il va vite se calmer parce que je vais m'énerver. Salut Guillaume! Ils ont leur démon, il est en train de passer un bon quart d'heure déjà, c'est cool. Ah, l'XM1. Non, l'XM1 aurait été bien de ne pas exister en fait. Genre, tu vois l'idée? L'XM1 il aurait pas existé, genre le jeu ça serait très bien porté. Même très bien porté. Mais bon, si c'est moi qui devais prendre les décisions marketing de Gaijin, je peux vous dire que le jeu il serait excellent. Salut Frost! Il n'y aurait pas eu de rang 6? Si, le rang 6 ça va, est sympa. Je veux dire, ça a apporté un peu de nouveauté, du endgame pour ceux qui étaient. Qui avaient totalement torché le jeu comme moi. Ça a apporté un peu de. Un peu de friandise, si vous voyez ce que je veux dire. Mais. Mais le problème, c'est le premium tier 6 en fait. C'est pas bien ça. C'est vraiment pas bien. Salut Force! Oh le Seattle, c'est toi que j'attendais, mon con. Je comprends pas les mecs qui passent tout au nord de A là. Genre le grosseur Courfour, c'était l'Atago qui passe là-haut quoi, c'est inutile. Le jeu au début était entre deux guerres Corée, mais ça ils ont changé. Et je vais dire presque tant mieux qu'ils s'est adapté, qu'ils aient proposé quelque chose de nouveau. Salut. 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 Ouh, la bonne salve sur le Montana là-bas, 22 000. Il est content le conquéreur, hein, il tire des HE, oh bon il est content. Il s'est pas visé. Exceptionnel. Bah moi non plus.
C'est bien, hein. Nos DD ils sont nuls. Les deux DD qu'on avait avec nous, bah ils sont morts. Bien, hein. On s'éclate. Ah bon, on s'amuse. Oh, j'ai tenté un truc sur le hyper, je garantis pas que ça va marcher. C'était pas mal. Je me fais le. Ouah, je me suis fait GK. Quel. Tu l'as tué? Oh, propre. Wow, this torp RNG. Eh non, c'est pas de la torp RNG. Dis-lui, c'est juste du skill. Un putain d'avion de merde. Cassez-vous! Voilà, je me trouve tout seul. Merci. Quoi là-bas? Un amag. Je vais me chercher l'amag. D'avion là, chier. Et en 2-2. Je suis en train de prendre Bagdad. En même temps, t'as pas de support. Non, j'ai pas de support et les deux battleships, bon bah c'est fini. Les deux battleships, ils ont décidé d'aller sur A, donc c'est mort. C'est GG. Forcément, je viens de me prendre une salve à 32 000 de la part du Montana, bien évidemment. Ils ont encore leur 3 DDE. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir par quoi je suis spoté maintenant. Je suis mort. Voilà. Youpi ! Je me suis beaucoup amusé sur cette game.
putain, mais laissez mes torpilles aller sur le but. Chier. On s'est éclaté. Oh là là, on se fait amuser. J'adore quand le jeu bug et que je vois même pas ma... Oh, j'ai gagné en Yamato, incroyable. Super container. Le jeu a totalement bugué. Ah voilà, merci. J'aimerais voir mes résultats. Ouais, grosse game de merde. Bon. Tu prends quoi, Nico? Tu bugs, Nico. Ou alors rapproche ton micro de ta bouche. Je ne sais pas. J'ai dit, je vais prendre manger quoi. Tu veux venir avec nous à août? Non, j'ai un seul de sang là. Ok. 100% de tous les bateaux. Ouh, ça joue porte-avions chez toi, Out. Ouais. Tu joues quoi? C'est le Osho. Après, je vais vers l'autre. Les Osho, c'est le tier 4? Ouais. Ah, ok. Ouais, j'avance, hein. Je débute, hein, les porte-avions. Ouais, porte-avions, tu vas voir, c'est... C'est bête, enfin... de débuter maintenant parce que comme va y avoir le rework bon, les bateaux ils vont pas disparaître si bah, je sais pas ce qu'ils vont faire non 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 ils vont pas disparaître mais je veux dire le gameplay sera totalement différent après ouais quoi bah, j'en profite la première fois ils ont mis 200% pour les expériences ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Donc ça ça avance aussi mes commandants là c'est bon je vois la les dames. Ah, Hindenburg, pas Édimbourg. Bande de Français. Attends, je suis au marché aux puces, là, je vends mes trucs. Ah, ça va, là, ça. Là, il y a les transformations d'XP qui valent le coup à 35, là. Ouais, faut-il avoir les doublons. Je vais pas aller loin avec mes 1035 doublons. Surtout que j'en ai de l'XP là en réserve 307 000. On a tous plein d'XP hein. Là j'en ai des 307 000 en réserve. Mais pour transformer ça, combien ça coûte? Il y en a pour là il y en a pour 8000 doublons. 8000 doublons c'est 30 €. Je suis à 800 000 hein. mon GK, ah mais merde, j'ai déjà gagné avec mon GK, je vais prendre l'Endembourg. Genre, 10 000 doublons, c'est 35 €, tu vois. Oh, j'ai plus que ça, transformé. J'ai, je pense qu'il va falloir moins 50 ou 60 000 doublons pour transformer ce que j'ai. 50, 60 000, ça fait beaucoup. Des 30 000 doublons, c'est 100 €. Bon, quand tu veux, Nico. Wait. Bah oui, je wait. Je fais que ça de wait. Que monsieur se décide à... J'ai trop de trucs. Le coup des, bon, le coup des super conteneurs, tu crois que ça marche tout le week-end ou...
Tu vois, parce que si je peux encore me faire 8 super conteneurs demain, je serais pas contre. C'est con, j'ai que 3 tiers 10. Putain, ouais, j'en ai fait 8 sur 8, 8 games, j'ai fait une victoire avec le démoine, c'est tout. Ah, je me suis éclaté. Hein. Ah, j'ai passé un bon moment cet après-midi. Bon, j'ai fait une game avec le Akouryu, par contre. J'étais à 170 000 de dégâts, je crois. Bon, on la perd parce que je suis en duel face au Akouryu et je choke à un moment. Il reste plus que nous deux à la fin, les deux Akouryu. Et un drop important de torpille, je merde totalement. Et je perds là-dessus, je pense. On fait BA. Et bonsoir tout le monde. Et Salut. bonsoir. Ça commence à être la foire à la saucisse. On fait quoi, Nexus? Je sais pas. Dégage toi. Casse-toi, Steam. Je voulais pas te lancer, t'es moche. Tu joues avec un casque ou pas, Out? Parce que on entend ton porte-avions Oui, gueuler. je fais un casque. Ouais. C'est étonnant, on entend ton porte-avions gueuler quand même. Tu as le Ouais, son. c'est là. Putain, j'ai baissé la télé. Tu joues sur la télé? Oh, bah ouais, sur l'écran télé, ouais. Ok. Chauffeur. Je crois que je vais aller caper au pire. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là-bas? Le gearing, il va caper ou il va pas caper? Je sais pas. Hein. Tu veux qu'on fasse le bordel sur B? Ouais, laisse tomber, on va sur A. On va se faire laver sur B. Ouais. Il y a déjà Jean Dédé dessus. Et le problème c'est que ah là, il y a que le Udaloy en fait, parce que le Ibuki et le Amagi sont barrés. Bah oui. Les lâcheurs. Oh, le Neptune là. Il fait quoi? Il avance, il... Yamato! Il est à l'arrêt. Il recule. Il est plus spoté. Mon PC portable avec lequel j'utilise pour le chat, là il est en train de gogoliser. Ouh, ce que j'ai pris dans la gueule. Ah oui, t'as pris cher. Oh merde, il y a un Worcester. Je suis broadside. Je vais tourner un peu. Comment le Zao là-bas? Il faisait demi-tour. Je mets, t'as ton hydro ou pas? Je le mets, attends. Je mets le mien. Ouais. Je mets le mien et quand je l'ai plus, à ton tour. J'arrive pas à le toucher, ce bâtard. Ouais.
Waza. Bonjour. Salut. C'est au moins une bonne route. Ouais, bravo. Au moins. Ça va? Ça va. Ça va et toi? Normalement, le Zao, il prend sévère. Même pas. Ouais, moi non plus. Heureusement qu'on était là pour lui d'Aloy, je pense, parce que sinon il aurait passé un sale quart d'heure. Hein. Quoi, claque pas ton hydro, y a pas besoin. Bah remarque, comment t'es loin, ça sert à rien. Alors je comprends pas le truc de l'anniversaire de Warship. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est pas compliqué à comprendre. Oh et oh, et plutôt calme. Hein, Bah l'anniversaire, c'est une fois par an. Bah alors le Zao il veut plus se montrer? Ah ouais, il y a des... Ah ouais, il y a des bonnes missions à faire. Ouais, surtout que une game en tier 10, tu gagnes un super conteneur directement, même pas besoin de gagner. Mais ça tu peux enfin tu vois, t'as un bateau tier 10, tu vas faire une partie, tu gagneras un conteneur, mais si tu refais une partie avec ce tier 10, tu en gagneras pas un deuxième. Ouais, je la mange. Du coup, les 8 super conteneurs que je me suis farmé aujourd'hui, c'était. C'était bonheur quand même. Et qu'est-ce que t'as eu dans les super conteneurs? J'ai eu surtout que des drapeaux, mais je les ai tous revendus. Genre, je suis passé de 9 millions, là je suis à presque 40 millions de crédits là, du coup, juste avec les... Tu sais, les camouflages, des trucs comme ça. Ah, d'accord. Genre, j'en ai gagné plein et j'ai gagné 1000 j'ai eu 1000 doublons. Le petit 1000 doublons qui fait plaisir. De me connecter, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai! Il est plus en bêta. Le service Game Center n'est plus en bêta, c'est cool ça. Double incendie sur le Zao. On attendait ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur World of Warship? Non, moi j'ignore pas mes viewers. J'ai vraiment. Je mets mon hydro. Ouais, vas-y, ouais. T'es en stream? Ouais, je suis en stream, ouais. Oh putain, t'aurais pu m'aider. Ah bah en même temps, une petite claque de Conqueror, forcément ça fait mal. Le Worcester, il est bitch. Ouais. Ah, j'avais anticipé sa marche arrière, mais même pas, tu vois, genre le mec il a eu la flemme. Ouais. L'insolence, putain, ah. Y'a le Zao qui a tiré là-bas. L'insolence, il survit avec 64 HP. Y'a la mise à jour de Londres ou pas? Pas encore, je crois pas. Non, y'a pas une mise à jour. C'est la semaine prochaine la mise à jour. Pour savoir les dates, les tickets. C'est ton planeur qui vole là en ce moment ou pas? Ouais, c'est mon avion de reco, ouais. Mon planeur. Respecte-le quand même. Ils sont sérieux à vendre des tiers 4.
Je crois que je vais me chercher le Missouri, non? Tu fais ce que tu veux, mon grand. Tu fais quoi, toi? T'es majeur et vacciné, moi je continue à spammer le... À spammer sur la gueule des battleships de là-bas, hein. Genre là, il y a Yamato qui a porté... Vraiment, tu m'as tué avec le majeur et vacciné. Tu fais ce que tu veux, mon grand. Putain, y'a un gros surcours force, c'est Pignata APV, il est encore à 105 800. Tirez lui dessus. Shite. Attention à micro. Par contre je joue pas bien là, c'est chiant. Je sais pas qui c'est qui se voit dans son Quand il y a ce petit connard de Dédé qui va comme ça me faire chier. Bon, 61 000 de dégâts, c'est pas ouf. Où les incendies là, s'il te plaît, le jeu. Parce que 98 hits, 5 incendies en Zao, ça le fout mal. N'empêche, j'ai vu qu'apparemment, si t'avais un tier 5 et tu faisais enfin une partie gagnante, tu gagnais des drapeaux. Je ne sais pas. Bah, c'est marqué apparemment. Comme quoi, first win en. Ouais, c'est ça. Tu gagnes tous les drapeaux. C'est à partir du tier 5 ou... Oui, à partir. Ah voilà, donc... Mais d'où ça sort, ça? J'aimerais qu'il crève, ce monarque, là. Comme ça me sourit. D'où ça sort, quoi? Yeah.
Arrête de me taper dessus, c'est pas gentil. T'es mort, Nico? Ah oui. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es parti trop vite. Bah, je suis parti trop vite, c'est toi qui es resté en fait. Yo. Yo. Bonjour. Bonjour. Yo. Le petit bonjour. Yo. Yo. Alors Nexus, on regarde pas ses viewers? Non. On lit pas le chat? Pas le temps. Ah bah ouais. Je suis trop occupé là. Il est concentré pour ses YouTube. Déjà que je fais une partie de merde, mais en plus. L'excuse du PC. Salut Dreamox. Non, par contre le PC portable il m'a fait un... Le PC portable il m'a fait un bail chelou là, hein, je te jure. J'ai troll. Genre j'étais pas bien, j'ai vu le truc, j'ai fait arrête. Eh, tu fais quoi là? Pour l'instant là moi j'ai incité à la rébellion. Vraiment ça qui a merde. Y'en a un qui s'est barré. Bon, le Yamato il s'est fait tège, c'est cool. J'adore. J'ai un Shimakazu qui sait pas jouer. C'est pas nouveau ça. Il vient de torpiller le Z46. Allié. Restez calme. Fous la jeu sur lui. Ah là j'ai cœur force à droite, là j'ai cœur force à droite, là j'ai cœur force à droite. Des bonnes games ou pas? Non. Non. Après c'est le week-end hein. Non. C'est trop tard pour trouver des bonnes games. fallait jouer ce matin ou dans la semaine, tu vois genre. Non mais le gars il est en plein milieu du No Man's Land et il marque. C'est parti. Je pense pas qu'il se rend compte de la connerie quand même. Dis donc un croiseur. Au combat total, ça va pas, ça vraiment pas. Bon, tu me le butes sur Ron. Bah, je fais ce que je peux depuis tout à l'heure, mais vraiment, il est increvable cet enfoiré. Hein. Vraiment increvable, genre, il a pas envie. He said no, I don't die today. I don't. Je vais me prendre une cita du turfu. Ah, à moins 45 000 avec 50 000 de PV. Ça picote. Surtout que c'était un Yamato. Ah, je vais essayer de dire. Tiens, c'est garanti, c'est mort. Et lui, ah, inondation. Cette mort là, con. Je pense que c'est la pire mort dans tout le jeu. Mort par inondation. J'ai 1924 HP, c'est parfait. C'est classe. Re les barbeaux, re. C'est fait quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais, c'est. Comment dirais-je? Tu as de la porcelaine théoriquement blanche avec de l'eau au fond. Ouais. Quoi? Ouais. Et voilà. Ça qui m'est arrivé. Bon bah la game a... voilà. Je vois de quoi tu veux parler. Voilà, j'étais dans cette pièce, en principe c'est une petite pièce. Oui, sans doute. Mais souvent on arrive à rentrer à deux. Oui, faut pas être costaud parce que t'en as... C'est des monoplaces, il y en a, hein. C'est pas des biplaces. Et après on joue Lego, si tu... On avait gagné hein, quand même cette game. Hein. Ah, ça c'est ouais. Un peu tu. Oui, ça peut arriver oui. Un soir, effectivement. Voilà. Faut y tirer les mots de la bouche quand même.
pense que je l'ai fait avant toi. Nick, ça, je vais manger, moi. Ok. Oui. J'ai la dalle. À tout. Moi, je vais faire. Parce que sinon, ça ferait bizarre. Après. Après, t'as d'autres endroits. Hein. Il faut être. Quand tu es véhiculé, déjà, c'est plus pratique. D'un côté. Je vois l'allusion que tu fais. Au début, j'avais pas bien pigé. Je me suis dit, ouais. Aïe. Est-ce qu'il y a des partants en tier 8 ou 10? Moi je suis en train de farm un Orcorina. Mais moi je vais rejoindre Nexus en tier. Ouais, non, parce que moi j'ai vu l'heure, faut que j'aille faire à manger, mon frère va pas tarder à rentrer. Donc je vais aller faire ma pause manger aussi. Oh. Mais non! Ah si! Désolé, c'est comme ça! C'est la vie! Les viewers, rebellez-vous. Ah non, j'ai le droit d'aller manger quand même. J'ai rien avalé. J'ai rien avalé depuis mon petit déj ce matin à 9h, s'il te plaît, je commence à avoir la dalle. Bah faut manger le midi aussi, trou du cul. Ouais, mais y'avait plus rien à manger chez moi, donc... Ouais, en gros, t'as eu la dalle toute la journée, c'est qu'à la fin de soirée... Bah faut aller faire des courses, je fais comment? J'ai ni voiture, ni argent, en fait. Ah. Ah, c'est compliqué d'aller faire tes courses. Du travail. Bah tu crois que je suis en train de faire quoi, mon grand? Bah justement, continue. Je te proposerais bien un truc, mais bon, tu vas te faire de l'argent, certes. Ouh, 14 500. Non, mais je viens d'avoir mon BTS, je cherche du travail dans mon domaine, tu vois, dans ma branche, ça m'arrangerait. Ah, donc ouais. Pas de chance. Le domaine que j'ai donné. Bon. Bon bah du coup, je rejoins le cours. Bah moi je vais aller manger, donc on va faire une petite pause de stream. Juste après je vous rejoins. Et puis... je sais pas si je reprendrai après. Qui c'est qui s'en va là?